Patrick Borg. Un nom qui vous est peut-être inconnu, mais une voix qui résonne dans la tête de n'importe quel enfant de la génération Club Dorothée. Car Patrick Borg n'est autre que la voix française de Son Goku, le héros de Dragon Ball. Monument de la Japanimation et véritable icône de la pop culture, Dragon Ball rayonne depuis plus de 30 ans et toutes les personnes y ayant participé d'une manière ou d'une autre sont devenues des icônes aux yeux des innombrables fans de la licence. Avec la sortie prochaine du film Dragon Ball Super Broly, nous avons pris un instant pour discuter avec ce comédien au parcours exceptionnel, entre théâtre, cinéma, animation et même jeux vidéo. J'ai commencé par le théâtre, j'ai commencé très jeune, j'avais 10 ans, donc en 1967, tu vois, au théâtre de la ville, et puis j'ai commencé le doublage la même année. Alors je raconte toujours un petit peu la même chose, mais parce qu'il n'y a rien d'autre à raconter, à part la vérité, et que je jouais avec Fernand Sardou, le papa donc, de Michel Sardou, au théâtre de la ville, dans une pièce qui s'appelait « Six personnages en quête d'auteur » de Pirandello, qui a dit à mon père, qui venait me chercher le soir, qui a dit à mon père: « Écoute, René, je connais des gens qui cherchent des voix d'enfants pour le doublage. » Voilà. Donc mon premier doublage, c'était en 67, où je faisais des petits guests, des rôles d'enfants de 10 ans. Du coup, la Japanimation, ça commence à partir de quand ? Alors, moi, j'avais doublé dans les dessins animés japonais, avant Dragon Ball, j'avais doublé le personnage de Mazinger Z, ah oui, qui au Japon sort avant Goldorak. En France, c'est Goldorak qui est sorti d'abord. Et quand il y a eu Mazinger, qui est le même personnage d'ailleurs que Goldorak, je l'ai fait. Voilà, et ça, c'était... je ne sais plus, ça devait être 4-5 ans avant Dragon Ball, et Dragon Ball, ça a déjà 32 ans, et moi je suis arrivé un petit peu après, puisque c'est Brigitte qui est... doublé Son Goku enfant. Qui faisait Son Goku enfant. Quand tu commences à travailler sur Dragon Ball à l'époque, tu as déjà la sensation que c'est quelque chose de gros, quelque chose de... Pas du tout. Non, pas du tout. On n'a aucune sensation du tout. À l'époque, c'est vraiment véritablement le premier manga. Moi, je le dis toujours, au risque de décevoir les copains fans, étant issu avec un papa du monde de l'animation, je trouvais cette animation, 12 images secondes, saccadée, clac, tout le truc. Et tiens, j'ai vu mieux dans ma vie, quoi. Et tu vois, que ce soit avec le dessin animé américain ou les dessins animés des pays de l'Est, qui étaient très peu connus à l'époque, qu'ils le sont encore, assez peu connus, mais où il y a des choses merveilleuses. Le succès que ça a eu, on a tous été étonnés, mais je pense aussi que les distributeurs en France ont été étonnés, parce que eux-mêmes ne savaient pas où ils allaient. C'est la première fois qu'il y avait un dessin animé japonais, les gens ne connaissaient pas en France, et le succès, on l'a constaté petit à petit. Le Japon, à l'époque, on ne parlait pas trop. On connaissait pas, ouais. On ne connaissait pas trop. Il y a toujours un truc qui me fait tiquer, et là, je me suis encore fait la réflexion tout récemment, parce que j'ai vu le film Broly. Entre le Son Goku japonais et le Son Goku français, il y a une vraie différence, c'est que Son Goku est doublé au Japon par une femme. Voilà, il a une voix qui est très aiguë, etc. La vraie différence, même sans parler du jeu et de la façon dont on l'interprète, c'est qu'au Japon, c'est une femme, en France, c'est un homme. Donc, de toute façon, je sais que dans les fans, il y a les deux écoles. Alors, il y a les deux écoles depuis quelques années. Parce qu'avant, il y a 32 ans, quand ça sort, les gens, le public qui regarde n'a que la version française. Entendu. Donc, Son Goku en France est découvert d'abord en français. Ensuite, les autres générations découvrent la version originale. Et à partir de ce moment-là, il y a des gens qui préfèrent la version originale. Il y a des gens qui disent ouais, « excuse-moi, mais je préfère la... » Je dis « mais tu n'as pas à t'excuser, c'est la version originale, voilà, je comprends très très bien. » T'en penses quoi quand tu vois surtout les jeunes générations qui ont beaucoup grandi avec, avec Internet, et donc du coup qui peuvent regarder les animés pratiquement dès qu'ils sont sortis au Japon, en tant que doubleur, toi ça t'inspire quoi ? Je peux le comprendre, moi j'ai dit toujours « rien n'est mieux que l'original, en quoi que ce soit. » Je veux dire, tu regardes un film américain, souvent c'était doublé. Pourquoi ? Parce que les gens ne parlaient pas le français. Surtout à l'époque, maintenant l'anglais, surtout à l'époque, maintenant beaucoup plus. Il y a quand même beaucoup de gens maintenant qui regardent en version originale, parce que cette nouvelle génération parlait l'anglais. Dans ma génération, des gens qui parlaient couramment l'anglais, il n'y en avait pas beaucoup. Et tu regardes du Woody Allen avec un humour typiquement juif new-yorkais,
intérêt à bien parler l'anglais si tu veux pour comprendre les nuances, toutes les nuances, quoi. Bien sûr. Tu vois, donc bien sûr, les versions doublées permettaient, je veux dire, au public de découvrir un cinéma outre-Atlantique formidable et de pouvoir le comprendre. Typiquement, je suis un gros fan de Star Wars, je suis incapable de regarder Star Wars autrement qu'en version française ou même Le Seigneur des Anneaux. Enfin, je suis très attaché aussi au doublage français parce que. Et parce que ce sont des doublages qui ont été très bien fait, très bien casté, bien dirigé. Faire un bon doublage, pour moi, c'est respecter de façon vraiment la plus précise l'original. Mmh. C'est-à-dire de respirer comme lui, de jouer comme lui, retrouver les mêmes intonations, même si le phrasé change, puisque la musicalité française et anglaise n'est pas la même. C'est tout. Mais sinon, voilà, c'est respecter l'humeur du comédien et s'investir, apporter notre sensibilité à la sensibilité du comédien qu'on est en train d'interpréter, de doubler. Tu as pu rencontrer, alors j'ai oublié son nom, la personne au Japon qui double Son Goku ? Non, la seule personne qui ait rencontré un petit peu tout le monde au Japon à l'époque a été Brigitte Lecordier, puisqu'elle avait été invitée au tout début, où elle a été reçue, elle le dit elle-même, j'ai vu des images, ouais, c'était assez impressionnant. Très étonné parce que elle me dit j'ai été reçue comme une star, parce que là-bas les comédiens qui sont les voix de ce dessin animé sont considérés comme des stars, quoi. C'est assez phénoménal. Ah, mais j'ai l'impression que c'est un petit peu tous, comment ils appellent ça, les seiyuu, donc du coup les doubleurs, que ce soit en animation ou même dans d'autres choses, effectivement sont très respectés. C'est assez étonnant de voir des fois même le contraste par rapport à chez nous. Très curieux, mais c'est comme ça. C'est pas du tout le cas en France. En France, bon, voilà, on le prend, mais il n'y a pas, de la part des sociétés de production, en tout cas, cette espèce de révérence. Non, pas du tout. Dans Dragon Ball, que ce soit les animés, même les OVA qui ont pu sortir par la suite, on a donc ton doublage sur Son Goku, mais lorsque le personnage commence par exemple à crier, etc., en général, c'est plutôt le doublage japonais qui est utilisé. Alors ça, à l'époque, c'est quelque chose qui m'étonnait, parce que il a une grosse voix grave, et quand il crie, boum, il a une voix qui est beaucoup plus aiguë, il va chercher... Oui, alors parce qu'à l'époque, il gardait souvent tout ce qui est écrit. Pourquoi ? Parce que moins de temps économique, et puis que je pense, mais sincèrement, que lorsque la société de doublage, qui était la SOFI à l'époque, a reçu ce truc-là, je pense qu'il n'y croyait pas trop. Pour eux, c'est un petit truc, allez, comme ça, on fait des choses quand même un peu plus intéressantes, on a des grosses séries qui marchent bien, donc ça, je crois que c'était traité un petit peu comme une série B. Moi, j'aurais été le client, personnellement, peu importe, mais à partir du moment où on fait un travail, que ce soit une bonne série, entre guillemets, ou une mauvaise série, encore entre guillemets, je suis désolé, mais j'aurais demandé en tant que client, en disant, non mais attendez, je veux la continuité, je ne veux pas avoir l'écrit sur Son Goku de la japonaise qui crée aigu, je veux que ce soit Patrick qui l'efface, quoi. C'est-à-dire que je fais une version française totale, pas simplement... C'est pas simplement sur Son de Passage, ouais. Mais là, du coup, sur Broly, grande surprise, c'est toi qui crie lorsque Son Goku crie. Oui. Là, je t'avouerai que l'enregistrement avec Éric Legrand et surtout Marc, le cerf qui fait Broly, on a beaucoup hurlé. Ouais, mais c'est ce que j'allais dire. Parce on a beaucoup hurlé, je me dis qu'en fin de journée, on était content que ça s'arrête, quoi. Ah ouais, parce que j'allais dire, en fait, ça m'a surpris déjà sur la version japonaise dans ce que j'ai vu en Projo Press. Et là, la version française, je l'ai regardée sous ma couette dans mon lit sur mon ordinateur. Au début, sans écouteurs, il y avait ma femme à côté. Elle me disait, mais ça braille ton truc, c'est quelque chose, baisse le son, machin. Braille, ouais. Et c'est vrai que, ça a dû être sportif. Voix, parce que tu reviens réenregistrer le lendemain et si tu pars. Place pas bien ta voix, tu te pètes les cordes vocales, mais c'est... Oui, puis en plus, quand on crie, on fait pas... vraiment, donc t'as intérêt à bien placer ta voix pour pas te casser la voix. Et c'est amusant, du coup, ça à faire, c'est... Je sais pas, est-ce que c'est libérateur de cette manière ? Non, plus amusant à faire, je te le cache pas. C'est pas... Parce que t'as rien à jouer sur des cris, à part une situation que le type crie une attaque ou un cri de douleur, voilà, qui sont des cris différents. Mais c'est pas ce qui, pour un comédien, est le plus amusant à jouer. Et surtout, quand ça dure des heures, parce que le combat, tu vois, et que... Il est long. Tu fais, voilà, quoi.
Non, ça c'est pas. C'est plus fatigant qu'autre chose. Non, ce qui est intéressant, c'est quand tu as quelque chose à défendre au niveau comédie. Dans ce film, on a une nouvelle scène de la fusion entre Son Goku et Vegeta. Donc moi, ça m'a rappelé forcément tout de suite le film Fusion qui date des années 90, où il y avait là encore ce long dialogue qui encore aujourd'hui me fait mourir de rire entre Goku et Vegeta, pour Goku qui essaie de convaincre Vegeta de faire la danse. Là, c'est peut-être un peu plus court sur Broly, et peut-être Son Goku est peut-être un peu plus convaincant. Mais je sais pas, est-ce que avec le grand, donc du coup qui double Vegeta, est-ce que ça vous a rappelé des bons souvenirs? Oui, de toute façon, tu sais, ce qui était déjà amusant, c'était il y a quelques années, parce que ça s'est arrêté quand même pendant quelques années, et de se retrouver tous ensemble avec Marc Le Serre, en plus, qui est un copain d'école du spectacle, donc on se connaît depuis toujours, fait partie de la famille. Eric Legrand, on se connaît depuis bien longtemps, avant même les enregistrements de Son Goku, Le Cordier, pareil, Céline Montserrat, pareil. Il n'y a que Philippe Ariotti que j'ai rencontré, lui, sur les Son Goku, et où il démarrait d'ailleurs dans le doublage. Il a commencé le doublage en tant que comédien, le doublage assez tard. Et je crois qu'il a commencé avec Dragon Ball Z, où il avait fait peut-être quelques petites choses avant, mais pas beaucoup. J'ai vu du coup les rôles que tu avais dans le jeu vidéo, t'en as beaucoup, mais j'ai pas l'impression que t'es vraiment de gros rôles, en tout cas sur des gros personnages, en tout cas les personnages principaux, t'es souvent sur des personnages en jeu, secondaires. Ouais, en jeu vidéo, ouais. Si, il y en a eu quelques-uns quand même, alors lesquels, souvent on me demande, je m'en souviens plus, tu vois, la plupart du temps, souvent c'est les fans qui me disent « Ah ouais, mais j'ai adoré quand tu faisais cette voix dans tel truc, ah bon, d'accord, ok, merci. » pas de gros souvenirs. Voilà. Mais la question que je me posais, là, c'est… Là, il y a un jeu qui marche très très fort, c'est Soldat 76. Ah oui, dans Overwatch, ouais, forcément. Tu vois, dans Overwatch, bien entendu, ouais. Ça, quand je vais dans les conventions, il y a plein de gens qui arrivent avec les jeux, ils me disent « Patrick, tu peux me le dédicacer ?» Ouais, c'est un jeu, mais c'est comme ça que je me suis aperçu que ce jeu, c'est pareil, marchait très fort. Est-ce qu'à un moment la signature vocale d'un doubleur, et à un moment où elle est hyper connue et tout le monde la reconnaît, ah ouais c'est Son Goku, ah ouais c'est Vegeta, etc. Est-ce que c'est pas un frein par moment? Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui du coup vont commencer à refuser un doubleur parce que ah ouais non c'est trop connoté, ça rappelle trop telle personne? Est-ce que ça peut pas être un blocage à un moment? Non, pas pour les jeux. Pour les jeux, c'est souvent on déplace notre voix, mais oui, ça peut arriver. Ça m'est arrivé en doublage de passer des essais que le client ou que la chaîne dise au directeur artistique, attends, j'aime bien Patrick, j'aime bien ce qu'il fait, mais le problème actuel, peu importe la chaîne, c'est que là, on l'a déjà dans une grosse série qui va passer quasiment dans le même créneau horaire, donc on aimerait bien la voix de quelqu'un d'autre, si c'est possible. Alors ces moments-là, tu fais, oh mince, surtout quand ça tombe dans des moments où t'as pas de boulot et que toi, t'es un truc qui est rediffusé depuis longtemps, 2 ans, 3 ans, il y a beaucoup de rediffusions et tu fais, bon, mais ça y est, j'ai été payé pour ça, donc j'ai besoin de travailler encore et à nouveau, et que par moment, t'es bloqué parce qu'il y a ce truc-là. Bon, voilà. Et puis il y a aussi le cas contraire où on te veut justement parce que tu es la voix d'un tel. Ah oui, ça peut arriver du coup. Aussi. Ouais. Je crois que c'était Brigitte Lecordier justement que j'avais entendu sur une interview, elle s'expliquait que pendant un temps effectivement être, parce que toi ta voix tu l'as modifiée un peu quand même pour incarner Son Goku. Elle, quand elle joue Son Goku enfant ou Son Gohan après, c'est sa voix à elle pratiquement naturellement en fait. Oui, elle a une voix de gamine, de petite fille, quoi qu'il arrive. Je crois que c'est elle, effectivement, qu'à un moment, ça lui avait joué un petit peu des tours, parce qu'elle a été Son Gohan, elle a été parce que c'est surtout, si tu veux, c'est jouer des tours dans le doublage, parce que comme elle a fait énormément de voix d'enfant, et qu'elle fait de façon remarquable, le problème, c'est qu'après, c'est pas elle qui l'a décidé, on l'a cantonné là-dedans. D'accord. Comme elle excellait dans les voix d'enfant, on la prenait que pour faire les voix d'enfant. Les gens n'imaginaient pas, éventuellement, qu'elle pourrait faire la voix de quelqu'un d'autre. La preuve, elle est adulte, elle a cette voix. Donc pourquoi une autre adulte n'aura pas cette voix? Elle est restée un petit peu dans ce côté de voix d'enfant. Et ça, c'est toujours un petit peu un handicap parce que c'est parce qu'elle aurait souhaité. Elle aurait souhaité bien évidemment continuer ses voix d'enfant, faire d'autres choses. Et puis qu'il y a eu aussi cette époque où on faisait des voix d'enfant faites par des adultes. Il y a des moments où c'était merveilleux.
Et bon, t'avais des femmes qui faisaient les voix d'enfant, tu disais, pff, tu vois, ça le fait pas trop. Que ce soit Berger ou Le Cordier, elles ont trouvé le truc et ses inflexions, la naïveté de l'enfance, la façon de laisser les phrases en l'air, de pas forcément fermer le sens lorsqu'il y a un point, c'est-à-dire de parler comme un enfant s'exprime. Ça, il y a que elles deux qui, pour moi, il y en a d'autres, bien évidemment, mais qui vraiment font partie des deux grandes qui ont fait beaucoup énormément de voix d'enfant. Ensuite, si tu veux, les clients ont voulu que ce soit de véritables enfants. Ce que je comprends très bien. Le problème des véritables enfants, quand tu veux les enregistrer, pour avoir été enfant moi-même, tu ne peux les avoir que le mercredi ou le samedi. Il faut une autorisation, les déclarer à l'avance, demander. Donc c'est compliqué. Okay. Voilà pourquoi on sait faire les voix d'enfants par des adultes, mais ça, même sur les doublages qui ont 40-50 ans, c'était déjà comme ça. Le cas. Donc on a eu cette grande période Dragon Ball et puis Dragon Ball Z avec donc, fin des années 80, les années 90, où ça tournait à fond. On a eu Dragon Ball GT pendant une période aussi, fin des années 90. Puis après, une grande période finalement sans Dragon Ball, jusqu'à ce que Dragon Ball Super débarque. Quand t'as vu Dragon Ball revenir, t'en as pensé quoi? Bah, écoute, j'en ai pensé quoi? Je me suis dit, tiens, c'est curieux que ça revienne. Mais pas que moi, on a tous été un petit peu étonnés. Et quand on s'est retrouvé, surtout avec les copains, le côté amusant, c'était de se dire, non, t'as vu, ça revient, et on se retrouve tous ensemble, quasiment 20 ans, 15 ans, 20 ans après, à se dire, tiens, on va refaire du Dragon Ball, et hurler à nouveau Kamehameha, et de se retrouver toute l'équipe, sans quelques-uns malheureusement décédés. Il y en avait trois de partie. Voilà, Georges Lican, Pierre Trabeau et Claudie Chantal qui étaient décédés. Donc, bon, voilà, la vie. Ouais, malheureusement. Ouais, du coup, c'est vrai que ça doit être marrant de se retrouver en grande famille comme ça, de nouveau réunis 10-15 ans plus tard. C'était sympa, surtout qu'il y a une bonne équipe de gens qui s'entendent bien. Et donc voilà, donc c'est toujours agréable et sympathique quand tu te retrouves à travailler avec des gens dont tu apprécies le talent, des gens comme Céline Montserrat, Éric Legrand, enfin tous ce sont des gens qui ont du talent, qui font plein d'autres choses et qui en plus avec qui tu as un lien d'amitié. Tu vois, c'est un lien assez fort autre que professionnel, c'est pas juste le copinage, mais ça comme partout aussi, il y a des gens avec qui tu as plus d'affinité qu'avec d'autres et avec eux, il se trouve que, bon, on est amis dans la vie en dehors des enregistrements, etc. Bien sûr. Est-ce que tu considères que Son Goku, du coup, c'est un de tes grands rôles? Je sais jamais en fait trop le regard qu'ont les doubleurs sur les comédiens de manière générale, sur les personnages qui doublent, parce que c'est Dragon Ball que forcément voilà. Parce que c'est Dragon Ball et que ça fait 32 ans que, enfin 30 ans, 31 ans que je le double. Oui, bien évidemment, dans ma carrière, je vais pas dire que ça ne compte pas, bien évidemment que ça compte et que c'est très touchant, surtout de quand je vois le retour des fans qui. À chaque fois, c'est toujours plein de gentillesse en disant « Mais Patrick, tu te rends pas compte, mais tu nous as fait rêver, t'es la voix de notre enfance. » Donc ça, bien évidemment, c'est très touchant. Il faut être le dernier des crétins pour pas être touché par quelqu'un qui t'apporte de l'amour et qui te dit merci pour ce que tu as fait. Bien évidemment, c'est très très touchant. Maintenant, le plus grand rôle, non, c'est pas à jouer, si tu veux, ce que j'ai préféré. Si on ne parle que de doublage, bien évidemment qu'il y a eu des personnages réels, des comédiens qui étaient plus intéressants, si tu veux, à jouer, à travailler. Le dessin animé, c'est, je ne vais pas dire que ce n'est pas intéressant, c'est amusant. Et surtout, lorsque tu fais des personnages où tu te barres parce que tu doubles un animal ou un concombre. Donc, voilà, un concombre n'ayant pas de voix, un animal non plus, tu peux te permettre des choses par moments un peu plus rigolotes, sauf lorsque les gens veulent absolument que cet animal s'exprime comme un être humain, comme un adulte. Quand tu doubles un légume, ça m'est déjà arrivé. voilà, là, tu peux te permettre des choses différentes et de barrer dans des... Tu proposes, quoi. Généralement, souvent, les réalisateurs sont là quand c'est des réalisateurs français. Et je me souviens, un jour, d'ailleurs, j'ai doublé comme ça un concombre et le réal était là, il me fait « Ah non, 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 je propose quelque chose. » Il me fait « Ah non, non, non. »
Non, ça, c'est pas une voix de concombre. Je regarde et j'éclate de rire. Tu vois, je fais, écoute, alors excuse-moi, je suis vraiment désolé, mais n'ayant jamais entendu de concombre parler... Ah, il va falloir définir, ouais. Dis-moi ce que... Aiguille-moi, dis-moi ce que tu souhaiterais entendre. Et ce qui est normal, il a éclaté de rire. Parce que lui, en tant que réalisateur, tu parles qu'il a dessiné, il a planché ça, tu vois, les expressions, le truc. Donc, automatiquement, dans son esprit... Son personnage avait déjà une voix à laquelle il avait du mal à exprimer, mais dans son esprit, il avait déjà une idée. Ouais. Il avait son personnage avait déjà une voix. On va terminer sur une dernière question Dragon Ball, mais qui mêle Dragon Ball et jeux vidéo quand même. En janvier 2018, maintenant, ça fait un peu plus d'un an, il y a un jeu qui est sorti qui s'appelle Dragon Ball Fighters, qui est pour beaucoup de fans de Dragon Ball le meilleur jeu Dragon Ball jamais sorti, parce que voilà, c'est au-delà du fait que ça soit un super jeu de combat, c'est que visuellement, c'est l'animé quoi, c'est l'animé, on s'y croit, c'est assez impressionnant, ils ont repris certaines scènes, ils les ont pratiquement décalquées, enfin c'est assez fou. Et pour que le jeu soit vraiment vraiment parfait, il aurait fallu qu'il y ait une version française. Il y a des gens qui ont fait une pétition, a beaucoup tourné, c'est ce que j'allais te demander, est-ce que tu as eu des échos, qu'est-ce qu'on en a pensé à l'époque? J'ai eu surtout l'explication, je l'ai les donné aux fans, c'est que si Bandai Namco décidait de le faire doubler en France, il serait obligé, de par la Toei, de le faire doubler dans toutes les langues dans le monde entier. D'accord. Que ça leur coûterait une fortune, parce qu'il y a des pays, si tu veux, où ils vont vendre énormément de jeux. Je crois que la France, au niveau public, on est numéro 2 derrière le Japon. Mais que dans les autres pays, non, pas forcément. Donc, tu imagines ce que ça leur coûterait avec des comédiens qui ont leur demandé un gré à gré, c'est-à-dire une certaine somme d'argent, parce que c'est quand même un jeu, le truc. Donc, ce serait quand même beaucoup, énormément d'argent investi. Tu sais, cette économie, ce sont des sociétés, je peux les comprendre. Tu es une société, bien évidemment, tu veux faire plaisir à tes fans, mais il ne faut pas non plus que tu perdes de l'argent, sinon tu ne vas pas mettre ta boîte en danger, sinon ta boîte coule. À partir du moment où c'est quelque chose de commercial et que tu vas mettre beaucoup d'argent, mais que ça va rapporter énormément d'argent, tu fais, il n'y a aucun problème. Mais voilà, il y a toujours la colonne des plus, la balance à trouver. Ouais. La colonne des moins, et on ne peut pas... Sinon, ils l'auraient souhaité, j'en ai parlé avec eux, ils ont dit, mais on aimerait beaucoup, mais... Ouais, c'est compliqué, quoi. On est un peu frileux, quoi, et je comprends ça très bien. Écoute, merci beaucoup en tout cas pour cette interview. Merci d'être passé chez jeuxvideo.com. J'espère que la suite va bien se passer.